je suis trop heureuse de vous retrouver pour la suite de l'épisode des Sims de la Villa Enchantée. Les votes ont été... Non, n'ont pas été serrés du tout. Vous avez voté dans les commentaires la semaine dernière pour le Sims qui allait quitter l'aventure et pour le Sims qui allait être récompensé avec une soirée dans la Love Room. Il y a eu un grand écart entre les votes. Hein. En nominé pour les Sims qui devaient être récompensés, il y avait Mulan et John en plus populaire. C'est Mulan qui est en tête très 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 largement. Donc Mulan ira passer une soirée dans la Love Room avec Aladdin. Et dans les Sims nominés, il y avait Ariel et Philippe, donc pour le départ, hein, nominé pour le départ. Et c'est Philippe qui nous quitte très 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 largement, même s'il y avait une petite partie d'entre vous qui ont essayé de le défendre bec et ongle, en mode « Oui, mais quand même, il a l'air de s'intégrer. Ariel, ça se voit qu'elle va avoir du mal, etc. Elle fait pas trop d'efforts. » C'était un peu, au niveau des arguments, c'était touchy, mais au niveau des votes, il n'y avait pas photo. Donc, on va pouvoir dire au revoir à Philippe. Enfin, déjà, on va aller voir ce qui se passe parce qu'ils ont l'air d'être en PLS. Ils sont tous effrayés, d'accord. En même temps, il y a un orage. Oui, bah oui, forcément. Parce que du coup, moi, je les ai pas joués du coup depuis la dernière fois. Et autant, normalement, ils sont pas censés faire leur live trop sans moi, autant les caractères sont jamais les mêmes quand je reviens. Donc, je suis pas sûre que se baigner sous l'orage, ce soit très safe. Du coup, Navin est effrayé. Oui, mais il est en pleine forme, donc ça va. Cendrillon. Il vient de se faire électrocuter. Gars, tu sais qu'en plus, quelqu'un dans les commentaires a dit « Oui, ça serait drôle qu'il y en ait un qui meure. » Mais mourrez pas, hein. Lui, non mais John, allez, rentrez tous. En vrai, j'ai pas confiance. Rentrez tous, là. Oh, Cendrillon discute avec Philippe. Oh, bah, ils s'entendent bien. Bah, c'est dommage. Philippe va nous quitter. C'est dommage. Ce n'est qu'un au revoir, Philippe. Mais je venais justement t'annoncer que ton aventure s'arrêtait. Voilà, c'est la tristesse. Bah oui, bon, il a l'air de bien le prendre, hein. Ah, elle a trouvé de nouveaux lieux de pêche grâce à Philippe. Ah bah, c'est con, il développe une connexion tardivement. Mais restez pas dehors. Eh, les gars, sans déconner. Rentrez. Je sais pas où t'es. T'es où, Mulan? T'es dans la chambre. Ah, mais ils ont tous la trouille de l'orage. Mais faut acheter des murs protecteurs. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais comment elle est? Mais what? Mais oh, ils font clairement leur vie quand je suis pas là. Mais Belle s'est téléportée. Belle a quitté la villa, quoi. Non mais à l'aide. Belle, rentre dans la baraque. Tout de suite. Sans déconner. Et du coup, je vérifie les autres parce que... Bon, Aladdin... Mais alors, Belle, c'est de la déchéance, là, hein. Belle, tu vas... Hein? Oh! Bon, ça suffit les bêtises, hein. Quand même. Du coup, Filou, oh, regarde, c'est mignon. Navi qui s'est pris la foudre. Navin. Mais oh, il a l'air défoncé. Totalement défoncé. Ça ne va pas du tout, hein. Le pauvre. Et regarde, ils lui disent tous au revoir. Oh non, ou Aladdin sous de sa gueule parce qu'il vient d'avoir la compétence malice, donc... Oh, il a l'air de mal le prendre. Comment? Tu me manques de respect? À moi, le prince Philippe? Je vais te combattre en duel. Espèce de sale petit cul. Moi, j'ai une grosse voiture. Est-ce que toi, t'as une grosse voiture? Je crois pas. Moi, j'ai une grosse voiture. Eh ouais, mon grand, tu veux pas test? Tu te dis peut-être ton malin, mais moi, j'ai une grosse voiture. C'est quoi cette embrouille de merde, là? Non, tu sais quoi? Alors, je suis désolée. Mulan, hein, vous êtes vraiment trop cons, les gars, franchement. Philippe, il est temps que tu nous quittes, voilà. Je suis pas sûre que tu manques à grand monde, mais regarde, il est vénère. Oh là là, le gars, il s'est vénère. Bon bah, il quitte l'émission sur une émotion négative, hein. A few moments later. Je crois qu'il s'en va. Allez, Philippe, il est temps que tu quittes l'aventure, en maillot de bain, seul avec ton parapluie. Je veux rien savoir, c'est le meilleur départ d'aventure que j'ai jamais vu. C'est magnifique. Par contre, pour le coup, c'est assez réaliste qu'il l'ait fait rester dans la maison et qu'il l'ait pas téléporté dehors, tu vois. Je trouve ça vachement bien fait. Bref, du coup, nous avons Cendrillon et John qui continuent à creuser l'interactivité avec Ariel qui vient squatter. Ariel qui a toujours un charisme. T'as eu chaud au cul, meuf, hein. Donc rapproche-toi, t'as bien raison. Et on a... Comment ça, Mulan et Navin qui ont un bon feeling? Alors, techniquement, Mulan a gagné un rendez-vous dans la Love Room. Parce que c'est Mulan qui a gagné, c'est Mulan que vous avez élu parmi les deux nominés de la semaine dernière. À ce moment-là, le feeling qu'elle avait le plus, c'était avec Aladdin.
Mais... Oh si si, je pense que Aladdin est quand même au-dessus. Hein. Elle est quand même au-dessus. Hein. Mais après, j'ai l'impression que... Bah, de toute façon, Navin a un bon feeling avec tout le monde. C'est ce qu'on s'est dit en fait. Il y a plusieurs dans les commentaires qui ont analysé ça. Cendrillon et Navin, c'est un peu les deux qui ont le plus de... Le côté stratégique, tu vois. Genre Navin, il a établi un bon relationnel avec tout le monde, mais vite fait. Et Cendrillon, elle s'est rétablie au dernier moment pour pas se barrer. Donc, il l'a joué un peu finot, tu vois. Alors, Cendrillon qui essaie de se rapprocher aussi de tout le monde. Cendrillon, je pense qu'elle a capté, elle a vraiment capté qu'elle avait eu chaud au cul au dernier moment. Donc là, il faut un bon groupe. Il y a John qui vient squatter aussi, c'est bien. Mulan, du coup, qui est un peu à l'écart parce qu'elle fait son sport. De toute façon, Mulan se met relativement souvent à l'écart. Je vais attendre le soir, là il est midi, je vais attendre le soir pour faire leur date. Ça laisse leur temps à tout le monde de tchatcher, de voir un peu comment ils s'entendent et tout. Là ils développent tous les liens, ils font un peu la teuf. Et ils sont tous en bonne forme, ça c'est plutôt cool. J'avais un peu peur parce que vous avez vu dans quel état on les a retrouvés, genre Belle était dehors, je sais pas ce qu'elle foutait dehors, mais ça donne... Pourquoi elle parle d'amour? Ariel, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as fait un truc négatif? Pauvre Ariel. Ariel, elle a du mal, hein. Tu sens qu'elle essaie de suivre les interactions, mais... Ah, elle parle de chansons d'amour, Belle et Cendrillon. Elles aiment toutes les deux les chansons d'amour. Belle et Cendrillon, elles ont vraiment développé un bon lien. Hein. T'as vu, les deux, elles tchatchent spécialement ensemble. Qu'est-ce qu'il y a, Aladdin? Qu'est-ce que Oh, Aladdin, il est à l'écart. Oh, cette tête de piteux. Il est piteux. Pourquoi? Parce que t'as peur. Bah oui, peur des ils ont tous peur des orages. C'est embêtant. Regarde, le pauvre. Je sais pas s'il a peur des orages ou si en fait il est piteux d'être à l'écart quand même. Parce que les autres ils ont peur des orages mais ils sont contents. Donc Mulmul, ah Mulmul vient parler avec Ariel. Ariel me fume dans sa façon de danser. Qui c'est qui est tendu? John, pourquoi? Parce que t'as pas de travail. Ah bah oui. Il aime la musique romantique, totalement. Vas-y Navi. John est tendu parce qu'il a pas de travail. Bah oui mais en même temps t'es dans la villa. Il veut passer sa colère sur quelqu'un. Oula! Ça va bien au caractère de John d'être assez impulsif quand même. Hein. Navin, il est énergisé, super, il va être intenable. Et Belle, elle va où? Pourquoi elle se casse? Oh, elle va lire! Ça va trop bien. En vrai, je suis trop contente parce que les traits qu'on a mis au perso, je trouve que ça correspond vachement bien au personnage. Genre Belle, je l'imagine totalement faire ça. Genre être en groupe et à un moment en avoir ras-le-bol et faire sa vie de son côté, tu vois. Ça me choque pas du tout. Navin a le niveau 2 en malice, c'est si peu étonnant. Gav va faire pipi, mais qu'est-ce que tu... Ok. C'est moi ou ça peut être fortement tendancieux ce mouvement quand même. Belle, elle a... C'est mignon, ils se regroupent quand ils ont peur. Oh, elle a eu peur, elle est... Oh. Non mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce fameux d'Aladin là d'un coup? Aladin qui gagne tous les suffrages d'un coup là. C'est trop mignon quand ils ont peur, ils se regroupent. Ariel, mais ils font des mouvements très bizarres. Hein. Ariel est quand même très perché. Hein. Et c'est pareil, c'est réaliste, genre le fait qu'elle vienne du monde marin et qu'elle ait pas les codes sociaux de. Lui, il fait son beau gosse à côté. Attends, Navin fait son beau gosse avec Ariel. Avec Ariel, avec Belle, mais il y a Cendrillon. J'ai l'impression que les choses se précipitent là quand même, non? En vrai, Mulan, le séjour en Love Room, je sais pas avec qui elle va le faire. Hein. Alors en soi, en Love Room, on n'est pas obligé que ce soit un séjour qui rapproche amoureusement parlant. Hein. Même si la Love Room est faite pour ça esthétiquement, mais il parle de lui quand même. Hein. Mais c'est pas obligé, ça peut très bien être deux potes. Le but c'est qu'en fait ils aient le temps de vraiment discuter à fond quoi. Lui il est toujours tendu, il risque de l'être de plus en plus par contre John. Hein, parce que le sans-emploi il va l'avoir pour un bon moment donc. N'aie pas peur des mouches, les mouches c'est pas méchant. Tu crois vraiment? Pourtant ça vole et ça fait bzzz. J'ai jamais vu ça dans l'eau encore. Elles sont trop mignonnes. Mulan est vraiment cute. Hein. Mulan a été votre favorite, mais de tellement loin. D'ailleurs, je suis trop contente que le concept vous plaise. Je dois avouer que je me suis éclatée aussi. C'est quoi ce rire maléfique qui nous fait là? Belle et Navin. Belle et Navin. On est d'accord que Belle et Navin, ça creuse un peu là quand même. Il y a quand même Mulan Aladdin du coup qui reste ensemble. Ils discutent, mais après ils discutent, il n'y a pas eu de rapprochement physique, à part le premier câlin au départ. Mais Belle et Navin, il y a vraiment un truc. Et puis ils sont à 30 cm l'un de l'autre aussi. Tout connement. Hein. Je veux pas dire, mais... Oh, mais Ariel aussi, mais lâche-le! Arrêtez de vous incruster dans les couples! Mais il parle beaucoup de chansons d'amour, il parle beaucoup... Quoi? Ça veut dire quoi ça?
Alors là, l'interaction qui vient de se passer, c'est quand même « Non, j'aime pas Belle » et il a fait un retour de tâche, genre, vers Ariel. Donc, il se la pète et il fait son gars. Navin, je pense vraiment il essaie d'avoir un bon lien avec tout le monde, mais il creuse avec personne. Je sais pas s'il a vraiment un coup de cœur sur quelqu'un, du coup. Autant, regarde, les deux, depuis tout à l'heure, ils discutent. Je sais pas, et je sais pas si c'est amical ou pas, hein. Mais Mulan et Aladdin, ils ont vraiment un truc quand même. Ils discutent énormément les deux. Mais Navin, il papillonne, tu vois, quand même. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été choqué, là. Il a été choqué. Qu'est-ce qu'elle... En même temps, Ariel peut sortir de ses trucs. Elle parle de pognon. Bon, en même temps, ils vont gagner. Le gagnant gagne quand même 100 000 simflouz, donc... Pourquoi elle est tendue? Présence criminelle? Vous pensez vraiment que ce Sims pourrait être un génie criminel? Mais qui? Belle, elle pense... Mulan? Tu penses que Mulan, c'est un génie criminel? T'es sérieuse? Mais Belle, mais... Alors, je sais que t'as des raisons d'être inquiète vu ton vécu, mais Mulmul, tu l'aimes bien, en plus, Mulmul. Non? Non, elle l'aime pas plus que ça. Genre, c'est quoi, ça? Ah, mais c'est pas forcément parce qu'il y a Mulan. Ah, si? Belle, mais attends, mais Belle, elle a peur de Mulan. Mais what the fuck? Tout le monde est tendu. Putain, ils sont tous tendus parce qu'ils ont pas de boulot, en vrai. Tiens, John, comme tu fous rien, servir le dîner, fais une salade, voilà. On va essayer d'optimiser un petit peu. Ils sont tendus parce qu'ils bossent pas. Bah, ça va rajouter de la tension dans la villa, j'ai envie de dire un peu. Hein. Oh, Cendrillon est enjôleuse. Et elle parle avec Aladdin. Ah! Non mais Cendrillon, il faut pas faire... Et il est enjôleur aussi, en plus. Il faut pas faire tout feu tout flamme non plus, hein. Il est 20h, je pense que Mulmul, je vais bientôt l'envoyer dans la vie. Mais du coup, je sais pas avec qui je vais l'envoyer. En termes de relationnel, oh, c'est Aladdin de ouf. Y a pas... Elle a un peu creusé avec Navin, mais c'est Aladdin de ouf. Et Aladdin, il est en forme ou pas? Belle, elle est mal à l'aise parce qu'il pleut. Oui, bah ma chérie... Ça m'inquiète le coup du psychopathe, là. Aladdin en jôleur avec Ariane. Non, mais Aladdin, on va se calmer. Non, il discute juste, à ma décharge. Alors attends, pour le coup, il faut que je leur ouvre la porte, autoriser l'accès à Aladdin et autoriser l'accès à Mulan. Voilà. Et je vais les envoyer. Bon, après, ils ont un peu envie de dormir, mais c'est pas trop gênant. Ils ont pas faim? Non, ils ont juste envie de dormir. Donc je vais les envoyer là. S'asseoir. Et toi aussi. Je vais les changer aussi, hein. on est d'accord. Là, j'interviens et les autres, je les laisse faire ce qu'ils veulent pendant ce temps. John est toujours tendu. Mais va pas sur la putain de piscine quand il y a un orage. Mais gars, mais... Tu me fumes. Qui les concons? Les deux autres, je les envoie, ouais, les dopes. Ils vont buter. S'ils meurent, ça fait partie du truc, hein. Ça devrait arrêter l'émission, mais bon. Techniquement, s'ils meurent... Bah, c'est... Voilà, ça fait partie... C'est pas prévu, mais... Alors attends, par contre, on va changer de tenue. Parce que là, en tenue de sport, tu es très belle, ma mule, mais... on va te mettre en tenue de fête. J'aime bien cette tenue-là. Et Aladdin, on va te mettre... En tenue... Je pense en tenue beau gosse. Non, en tenue de fête. En fait, les deux tenues sont jolies. Hein. Voilà, magnifique. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Courir à l'intérieur. Mais t'es à l'intérieur, nounouille. Non, 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 Aladdin. Oh, c'est pas vrai. Je sens qu'ils vont me donner du mal. Je sens qu'ils vont me donner beaucoup de mal. C'est quoi, fais une sieste en attendant que Coco revienne. Il va jeter les poubelles. Bah vas-y, je le laisse faire, sinon ça va le traumatiser. T'es censé avoir une soirée tranquille. Oh, j'avais des poubelles dans mes poches, je puais, j'étais pas serein du tout. Oh là 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 là, oh, je suis contrariée. Oh là là, est-ce que j'ai réussi à pécho Mulan? Est-ce que j'ai envie de la pécho? Je ne sais pas. Je ne sais plus ce qui se passe. Ah, je ne suis pas tranquille. Je suis insecure. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais Aladdin, mais pose-moi ça. Pose ça, quelqu'un d'autre va le faire. Cendrillon, genre, au hasard. Voilà. Mais Cendrillon, parce qu'elle aime bien le ménage, hein, c'est pas du tout. Putain, John, ils vont crever. Ils vont crever à être dehors sous l'orage. Ça, c'est pas vrai. Alors, Mulan, c'est un rendez-vous romantique. Donc, s'il te plaît. Fais un effort. Faites un effort, les deux, s'il vous plaît. Voilà, mets de la musique. Mets une musique romantique. Changer de station. Y a pas... Voilà, romantique. Tu mets une musique romantique et vous parlez.
Le but, voilà, faire les yeux ronds. Le but, c'est que vous discutiez, que vous échangiez un petit peu, conversation profonde, voilà, que vous appreniez à vous connaître. Elle a envie de danser, hein, c'est ça. C'est pas moi. Écoute, de toute façon, même si le libre arbitre des Sims 4 n'est pas le plus abouti, y en a. Hein. Évacuer le stress. Attends, évacuer le stress. On va plutôt se plaindre de problèmes. Parce qu'évacuer le stress, j'ai peur qu'il lui gueule dessus en fait. Donc, elle a l'air un peu perdue. Qu'est-ce qu'il me raconte? Mais qu'est-ce qu'il me raconte? De quoi il me parle? Oh, ça, elle est contente. Là, elle est contente. Voilà, on a enfin le rapprochement qu'on espérait. Voilà, oui. Faut pas que ça, on va pas, ça va pas aller trop loin forcément, tu vois, mais qui creuse une petite ambiguïté, c'est quand même pas mal. Elle est enjôleuse. Oh, bravo. Pourquoi il s'énerve? Oh, elle est trop belle. Ils sont trop mignons. On peut peut-être avoir un petit béco. J'ai l'impression qu'ils sont quand même très réceptifs l'un à l'autre. Hein. Ah oui, tout de suite. Ah, Belle a fait un cauchemar. Belle, elle est insécure de ouf. Hein. Belle, je suis désolée, je m'occupe pas de toi. Là, démerde-toi toute seule. Je suis avec mon petit couple. Embrasse. Oh, ils sont trop mignons. En gros, la love room... Non, 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 pas de bain, pas de bain. Hop. La love room, ça permet de créer le petit truc qu'ils peuvent pas difficilement se faire tout seul, je pense. Une petite rose, c'est dans les deux sens, bah bien sûr. Bah bien sûr. En vrai, je pense qu'on peut faire un premier baiser, hein. Ça me choquerait pas, technique de drague. Je vois bien Aladdin être super maladroit. Mulan et Aladdin embrassent tous les deux quelqu'un pour la première fois. Oh my god. Attends, je vais essayer de choper le baiser. Oh, c'est trop bien. Attends, je vais obliger une photo. Obligé. Oh, magnifique. Oh là 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 là, j'ai trouvé ma miniature. Magnifique. Oh, c'est mignon. C'est mignon. En vrai, un petit bisou comme ça. Ah oui, tout de suite. Ah oui. Oui, non, mais il y a des petites pulsions quand même. Hein. Est-ce qu'ils peuvent dormir ensemble? Je trouverais ça trop mignon. Je suis pas sûre. Parce qu'ils sont crevés les deux. Donc s'ils pouvaient dormir ensemble. Ah non, il peut pas parce qu'il y a Mulan. Du coup, ils sont pas assez intimes encore. Non, il peut pas. Bon, bah écoute, Aladdin, sois galant. Il va dormir dans ton lit. Hein. Dans ton lit d'homme seul. Mais pour un premier date, c'est mignon. En vrai, ils ont discuté un peu ensemble et ça leur a donné l'occasion d'avoir un petit moment d'intimité que bah du coup, ils avaient du mal à avoir avec les autres. C'est comme ça que je le vois, tu vois. Bon, elle a peur, mais oui. Et Mulan, qu'est-ce que tu fais là? Mulan veut prendre un bain aussi. Ah bah écoute, c'est vrai qu'elle est un peu crade. Peut-être qu'elle voulait dormir avec les autres. Elle s'est peut-être sentie seule dans la love room, tu sais. John a fait un cauchemar. Dans lequel un Yamachan beaucoup trop musclé le poursuivait. Le rêve est terminé, mais ces images resteront jamais aggravées dans sa mémoire. Mais ils ont tous des cauchemars, les pauvres. Je vais leur mettre des lampes coulala à eux aussi. Hein. Ah, il y a John qui va venir lui parler, je crois. Hurler de façon incohérente. Comment ça? Elle va hurler sur John de façon... Mais Belle, mais contrôle-toi. Belle, elle me fait peur, hein. En fait, Belle, elle est un peu psycho, hein. Qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Tu es tellement drôle, j'adore passer du temps avec toi, j'espère que c'est réciproque. Alors là, je l'avais pas vu venir. Hein. Alors là, à quel moment, quand tu hurles de façon incohérente, l'autre en face, il est en mode « Oh, c'est trop bien, j'aime trop être avec toi. Arrête de te shooter au café, va dormir. » Bon, remarque, fais ta vie, hein. Mais ça serait quand même mieux que tu dormes. Et maintenant, elle va lire. Non mais Belle, en vrai, il y a quelque chose à creuser, là. Belle, elle a cru tout à l'heure qu'il y avait un psychopathe à côté d'elle. Là, elle hurle sans raison sur quelqu'un. Elle a peut-être été un peu plus trauma que ce que je pensais. Hein. Toi, va dormir, c'est bien. Mulmule, arrête le café. Meuf, va dormir aussi. Je sais plus où elle va, l'autre. Alors, attends, je vais lui laisser le temps de... Va dormir. Belle, par contre, t'as pas sommeil, donc en soi... J'essaie de faire en sorte qu'il pionce quand même, mais... Du coup, attends, Belle, elle a développé un truc avec John. Mais c'est juste un souvenir. Elle est plus proche de Navin, quand même.
Mais John, du coup, elle est plus proche grâce à des souvenirs heureux. Ok. Et John, est-ce que c'est réciproque ou pas? John, il est un peu plus pro... il était plus proche de Philippe et de Mulan. Mais sinon, au final, John, il n'a pas plus d'affect que ça. Hein. Il est dans la moyenne comme tout le monde. Un peu comme Navin, tu vois. Belle va discuter avec John. Mais Belle et John, là, il y a eu un rapprochement que j'avais pas prévu, j'avoue. J'avoue que je l'avais pas vu venir, le rapprochement des deux. C'est comme quoi, rien n'est vraiment certain. Tu vois ce que je veux dire? Attention pour Cendrillon. Mais what? Je vais dire attention pour Cendrillon parce que Cendrillon à la base avait un bon lien avec John. Mais elle est en train de se faire distancer là. Hein. Elle est en train de se faire distancer. Hein. Et elle est enjôleuse avec elle-même. Elle danse toute seule. Ouh, je suis sexy. Ouh, je suis belle. Je... Enfin non, justement, alors que Belle derrière est en train d'essayer de pécho le gars que j'ai envie de pécho. Mais je le vis bien. Bon, ça va, ils arrivent, elle est plus toute seule. Alors, Aladdin est réveillé et il est enjôleur. Où il va? Courir à l'intérieur. What? Alors déjà, t'es à l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'il a, hein? La maison est possédée, en fait, hein. Gars, tu vas te pisser dessus. C'est... Je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas. Pourquoi elle est triste? Mais qu'est-ce qu'ils ont? Jour férié épouvantable. Ah oui, ils ont proposé un jour férié et j'ai dit non. Bah écoute, ça leur donne un petit peu de piment. Il n'y a que Aladdin qui s'en fout parce qu'il a copulé la... Enfin, il a copulé, il a bécoté la veille. Je me demande s'ils vont être mignons tous les deux ensemble ou pas. Techniquement, ils sont juste fait un béco, hein. C'est pas... Ils sont tous tristes du coup, mais non! Ça va les gars, c'est juste un jour férié. Elle se donne des paroles d'encouragement. T'as raison, Belle. Ok, je suis positive. Ok, tout va bien. Je veux pécho un gars qui veut pécho une autre meuf, mais... Aladdin est disponible? Non, Aladdin n'est plus disponible. Pourquoi tu penses à Aladdin en étant triste? Parce qu'il est enjôleur, il t'inspire. Aladdin est en forme, hein, cela dit. Hein. C'est clair qu'Aladdin, il va bien. Navin aussi. Mais ils sont tous enjôleurs, en fait. Ouh là là. Oh, qu'est-ce que je suis beau. Oh yeah. Gars, t'es sérieux. Tu me fumes! Vous me fumez tous! Alors, en tout cas, un truc que je peux remarquer, c'est que Belle a quand même plus causé aujourd'hui et Cendrillon s'est mis un peu plus en retrait comme son premier jour. Peut-être qu'elle a pas trop apprécié que du coup ses essais ne fonctionnent pas. Bon, lui, il se lave, tu vois. Mais elle a essayé de se rapprocher de deux gars et c'est vrai qu'au final, les deux. Genre, elle à la base, elle voulait se rapprocher de Navin qui s'est rapprochée de Belle et elle s'est rapprochée de John qui s'est rapprochée de Belle. En fait, Belle est la rivale de Cendrillon. Clairement. Attends, mais les gars, mais vous me faites pitié là. Attends, je vous rends ça. Voilà, vous mangez dedans. Mais oui, c'est de l'eau, mais Ariel, tu devrais être contente, t'es une sirène. Belle, mais qu'est-ce que tu... Mais non, mais Belle qui pleure sous la couette. Oh, t'es dans une villa de luxe, tout va bien. Regarde, ils sont mignons, ils mangent tous ensemble. Enfin, tous ensemble, non. Il y en a deux qui font bande à part. Qu'est-ce que vous racontez? Cendrillon, Aladdin, il a quand même bien creusé avec Mulmule, hein. Donc en soi, je comprends que tu essaies de marquer des points, mais je ne suis pas sûre que ta cible soit la bonne. Voilà, bah du coup, elle change. On dirait Emma, écoutez. On dirait Emma, écoutez. Magnifique. Humidité désagréable. Tu t'es pris la flotte encore? J'aime bien les gars qui parlent dans la salle de bain, genre ils débriefent. John, il s'entend bien avec les gars quand même, tu vois. Il a un bon crew de potes. Par contre, ça devient chelou la situation. On dirait il veut pisser dans l'évier, il est gêné qu'Aladin l'ait surpris. Non, mais tu comprends, j'ai l'habitude de faire comme ça détend, c'est plus pratique, c'est plus haut. Navin avec Belle, ils se recherchent quand même énormément les deux maintenant. Il y a quand même un petit fave, je pense. Mais même si Belle est extrêmement insecure, avoir des psychopathes partout. Regarde encore! Putain, il était. Présence criminelle. Vous pensez vraiment que ce Sims pourrait être un génie criminel? Mais elle est parano en fait, Belle. Aladdin a fait un cauchemar dans lequel une poupée très effrayante l'observait en silence. Tu m'en diras tant. C'est intéressant comme cauchemar. Ah bah t'as l'air heureux. T'as l'air. À chaque fois qu'ils sont sur la bouée, t'as l'impression qu'ils vont mourir. Genre c'est les. Tu vois? Il y a un vide abyssal. Il y a un petit vide interne. Ah, oh, il est content, ça va. Il s'est remis en question. Il a fait une petite introspection personnelle. C'est ce qui compte. Putain, Navin, il veut encore parler avec Belle, hein? Qui c'est qui est tendu? Belle encore? Oh, mais c'est pas vrai, mais Belle! Ça tient bien avec son parcours, mais bon. Regarde, non, mais les deux, là.
Je pense que c'est le deuxième rapprochement le plus important qu'on ait. Tu vois, au final, John et Cendrillon ont tablé dessus, puis... Cela dit, Mulan, Aladdin, ils sont pas reparlés. Hein. Moi aussi, le premier jour, j'ai joué de la guitare. Ça devrait nous réunir. Pourtant, ça nous sépare. Au secours! Bah, la laisse, pourquoi? Parce qu'ils jouaient mal. Mais pourquoi ils ont tous l'air décédés de l'intérieur? Oh, Cendrillon, je pensais que nous pourrions être proches, mais en fait, tu me plais pas. Oh, Navine! C'est même plus des triangles amoureux! Les machins, c'est des pentagrammes! Ça existe, je sais même plus ce que c'est un pentagramme, mais c'est des gros trucs, je crois. Ça cause. Par contre, tout le monde se greffe à Navine et Belle. Hein. Navine et Belle, ils creusent, et puis les autres, ça se greffe. Hein. Philippe souhaite venir passer du temps ici, êtes-vous d'accord? Bah non! T'as été éliminé, gars! Lui, il est mal à l'aise tout le temps. Mais gars, mais rentre! Mais t'es désœuvré à ce point? Mais je sais pas, viens parler à Mulmul. Je sais pas, pourquoi tu restes seul sur ta bouée? Aladdin, il nous fait une dépression. Je me demande s'il est pas insécure, s'il est pas en mode... Attends, c'est quoi je... Ouais, mais en même temps, Mulan, en fait, elle a l'air d'aller bien. Et elle fait sa vie. Je pense que Aladdin, il se sous-estime de ouf. Il doit être en mode... Mais regarde, il y retourne! Comment ça se défendre? Comment ça se défendre, c'est une bouée? Aladdin, il est, à mon avis, le date, il doit se dire, elle doit regretter et tout, je le vis mal, elle doit trop être dégoûtée d'avoir passé un date avec moi et tout. Mais gars, mais dis pas ça, tu sais quoi, va danser avec les autres là. Va avec eux, ça va peut-être les rapprocher un peu. Parce que là, Navin, il rediscute. Navin a pris l'un. Enfin, je le vois pas avoir une ambiguïté avec toutes les meufs avec qui il cause ou avec tous les gars, tu vois. Mais quoique, ils ont un très bon lien aussi, Mulan et Navin. Hein. Je crois que Mulan, elle a un très bon lien avec tout le monde. C'est un peu comme Navin, en fait. C'est les deux caractères qui se lient le plus facilement avec tous. Aladdin, il est insécure de dingue. Elle est effrayée et elle veut se réfugier auprès de John. Ah non, elle veut hurler sur John. J'ai vraiment que des Sims psychopathes, en fait. C'est... Voilà. Là, John, je suis désolée, ça tombe toujours sur toi, en plus. Bah oui, du coup, il t'aime moins. Mais meuf, mais Ariel, mais qu'est-ce que tu me fais? Alors c'est très bizarre par contre parce que tout à l'heure c'est bien passé, par contre Ariel c'est mal passé peut-être parce que de base ils avaient pas un lien très fort. Mais du coup elle a perdu des points cocotte. Et John s'entraîne en mixologie, bah écoute tu fais bien. Elle est enjôleuse mais elle va faire pipi. Aladdin ça va mieux ou pas? Non mais il est toujours mal à l'aise. Tu veux pas parler avec Mulan? Tiens parle-lui de tes problèmes. Essaie de lui parler, mais non mais Al... Mais le pauvre... Ah, il va mieux, ça y est, je sais pas pourquoi, mais... À mon avis, les deux... Enfin, Navin s'entend bien avec tout le monde, mais il cherche Belle quand même en particulier, quoi. Il y a quand même une envie d'être ensemble assez forte, quoi. Puis elle a l'air de pas être indifférente non plus, hein. Par contre, Belle, je crois qu'elle a pas été enjôleuse une seule fois. En même temps, elle est parano depuis le début, donc... Tiens, mais attends, toi, si t'as peur, tu veux pas te rapprocher de Aladdin? J'arrive pas, les deux, ils arrivent pas à renouer un lien. Hein. Tiens, demander des encouragements, tiens, voilà, ça c'est bien. Un peu de dialogue, j'essaie qu'ils recommuniquent. Ils se sont pas adressés la parole depuis qu'ils se sont rapprochés. Ça serait bien qu'ils... Oulala, qu'est-ce qui se passe? Ah, ils compatissent, je pense. Ça serait bien que vous vous rapprochiez un peu, les gars. Voilà, conversation profonde. Tu peux la réconforter ou pas? Essayez de consoler, voilà, super. Après, j'ai rien dit qu'ils vont rester amoureux, hein. Mais par contre, là, ils ont une très très belle relation amicale. Ah merde, elle lui hurle dessus, c'était pas le but. Oh, il la rassure. Ils ont vraiment une belle histoire, les deux. Enfin, une belle amitié, en tout cas. Quelque chose qui est joli entre eux. Après, est-ce que ça va être une romance ou pas? Bon, ils causent, c'est bien. J'aimerais bien qu'ils mettent eux-mêmes un peu d'ambiguïté à un moment, en fait. Je sais pas si un Sims peut le faire tout seul. Bon, bah, alors, prépare-toi, John. J'ai essayé de faire une photo encore parce que je sens que ça va être quelque chose. Navin veut parler avec Belle, t'as vu ou pas? Attends, est-ce qu'elle va le faire ou pas? Cendrillon, je suis prête. Là, elle est normale. On voit Aladdin à poil derrière. Alors là, c'est peut-être un peu mélodramatique. Mais... mais ça me fume les pauses! Les pauses sont hilarantes! Mais non! Mais c'est trop bien! Je sais pas ce que je vais utiliser comme miniature, là. Hein. Il y a trop de matière. Il y a trop de matière. Ça va, John? Tu le prends comment?
Parce qu'il l'avait bien pris pour la première qui lui a hurlé dessus, moins bien pour la deuxième. Bah, il le prend bien pour Cendrillon. Il n'y a que pour Ariel qui l'a mal pris. Ariel, ça pue pour elle quand même. Hein. C'est lui qui est effrayé maintenant. Mais ils parlent encore ensemble. Franchement, Navin Bell. Mulan vient de devenir une bonne amie de Navin. Et Navin va devenir la bonne amie de Mulan. Ah, c'est cool pour eux. Je m'attendais vraiment à ce que ça fasse Navin et Belle, mais... Pour le coup, ça m'étonne pas, ils parlaient beaucoup quand même. Cuisine ensemble, oui voilà, il n'y a pas de... Pour le coup, il n'y a pas d'ambiguïté. Bah écoutez, d'ailleurs, ça fait un bon moment que je joue. Déjà maintenant, je suis quasiment à une heure. Je vais aller regarder dans le relationnel et puis on va se baser là-dessus pour faire les nominés, hein, comme la dernière fois. Ça y est, j'ai comptabilisé en fonction des affinités de chacun. Honnêtement, c'était tendu, il y en avait plusieurs qui étaient à égalité. Mais au final, il y avait quand même... Enfin, c'était surtout le ventre mou qui était à égalité. Il y en avait 2-3 à chaque fois qui étaient dans le milieu. Mais t'as quand même des nettes tendances des deux côtés. Du coup, à vous de jouer. Vous votez en commentaire avec les hashtags. Attention, je pense que vous allez être surpris. Il y a 2 nominés dans les plus populaires. Celui que vous allez noter en commentaire aura le droit à un séjour en Love Room comme l'a eu Mulan cette fois-ci. Les 2 plus populaires à départager sont donc Mulan à nouveau ou Navin. Je vous laisse mettre le hashtag de votre personnage préféré entre les deux en commentaire et celui qui aura le plus de voix aura donc son petit séjour. Mais ça, c'est la partie un peu cool. La partie moins cool maintenant, c'est qu'il faut départager entre les 2 nominés les moins populaires. À savoir pour cette semaine, Cendrillon ou John. Et je vais pas exprès de prendre un mec une meuf, hein. C'est vraiment pour le coup, ça a été assez clair, c'était ces deux-là. Donc voilà, vous votez pour celui que vous voulez sauver en commentaire, ne vous trompez pas. Si vous voulez que Cendrillon reste dans l'aventure, vous mettez son pseudo. Si vous voulez que ce soit John, vous mettez son pseudo. Voilà, je m'attendais pas à ce que ce soit ces deux-là, je dois avouer, en moins populaire. Je pensais qu'il y aurait au moins Ariel, voire peut-être Aladdin, parce que bah, les deux étaient quand même vachement isolés. Ariel, elle a essayé de faire des interactions qui sont souvent soldées par un échec, et Aladdin était quand même vachement sur sa bouée seul au monde. Mais bah non, voilà, c'est pas moi qui décide, c'est les Sims. Donc écoutez, je suis curieuse de voir ce que vous allez décider. Qui nous quittera la semaine prochaine? Qui aura droit à son petit moment date? À vous de voir. En tout cas, merci de suivre cette émission de semaine en semaine. Je suis ravie que ça vous plaise. En tout cas, je m'amuse énormément moi-même à jouer. Et vivement la semaine pro pour voir la suite. Bisous tout plein !